La Baronne et compagnie, tous les jeudis, 21h30 à minuit sur Dynamique Radio. Adrima, il s'est écarté de son micro. C'est chaud ça. Tu vas pas me dire que vous m'avez fait penser à une histoire de fou. Oula, attends, vas-y, raconte, alors on arrête tout. Lâche un dossier et donne pas de prénom. Non mais attends, ça c'est un peu long. Vas-y, on s'en fout. Mais c'est une vraie histoire. Tu as 23 minutes, vas-y. C'est une vraie histoire de fou qui m'est restée grave. Là, tu m'as réussi à me ressortir balance un truc. Adrima. Après, je sais pas si vous ça va vous choquer, mais moi ça m'a choqué parce que je suis quelqu'un avec des principes de ouf. Nous aussi, vas-y. Non mais balance. C'est balance. Vrai, moi aussi, je suis un fou, moi ce que je dis. Je suis un fou. Ça fait longtemps, à l'ancienne, je sais pas si vous avez connu ça, ça s'appelait Beurre Téléchat, c'est un truc où tu t'appelles et t'es avec des gens au téléphone et si la personne elle te plaît pas, t'appuies sur 0 et ça change de personne. Voilà, c'est un truc comme ça en fait. C'est un truc de rencontre. C'est un truc de rencontre, mais c'est un numéro de téléphone. On appelle, à un moment on tombe sur une fille, qui, on parle avec elle. Moi appelles. Et un pote à moi. Okay. On était trois là-bas. Non, faut être précis. Oui. Attends, est-ce que ses potes sont dans cette pièce? Non. Ok, d'accord. On était trois à la base. Okay. Donc on parle à une fille, etc. Elle nous dit ouais, je suis toute seule chez moi. Nanana, t'es avec qui? Un truc, elle était avec ses copines, deux copines. Nous on était deux, cool. Trois, parfait. C'était génial. C'était parfait. Match parfait. C'était génial. On va là-bas, elle nous donne l'adresse, etc. On y va, on s'échange les vrais numéros. Donc on y va. C'était un vrai truc, c'était un truc à plan en fait, ce truc-là. Cool. Donc on y va, etc. On arrive là-bas et on arrive, il y a les trois filles, elles sont là. Et il y en a une, on entend qu'elle crie dans la chambre parce qu'elle était en train de se faire plaisir. Avec d'accord, elle était en émotion. Elle était en train de se faire plaisir avec un autre garçon, etc. etc. D'accord, bref, d'accord. Et nous on rigole, bonne humeur. Et en gros, la meuf, elle nous faisait comprendre, attends qu'ils sortent, comme ça chacun il va aller dans la chambre. Chacun c'était une soirée organisée. C'était une soirée, on a réussi à s'organiser. Il fallait faire la queue. Maintenant, il y a le gars qui sort de la chambre, ça y est, ils ont fini. Il y a le gars qui sort de la chambre, il nous serre la main à tous. Il y a la fille. Tu lui as serré la main en sachant ce qu'il vient de faire. On est pour toi, on se voit, on sait pourquoi on est venu, on rigole. Voilà, tranquille. Il me serre la main. La fille, elle sort, c'est la sœur à mon pote. Non. Oh. Mais arrête. La tête de homme. Genre un pote qui était avec toi ou un pote qui était avec moi, qui était là. Le soir même là. Il a vu sa sœur. Il a vu sa sœur sortir de la chambre. Imagine le gars, il est derrière. Et bah il a ken sa sœur. Il est derrière. Bastos. Dingue. Il est avec ses gars en train de boire la un verre meuf, et là bim, il voit sa meuf. À la fin, dès qu'il voit ça, tout le monde choqué, genre tous. Et moi je regarde tout de suite mon pote, je me dis putain, qu'est-ce qu'il va faire? Je regarde et il y avait le gars qui était là. Maintenant le gars il dit ouais, qu'est-ce qui se passe, tout ça, tout le monde était choqué. Le gars qui était en train de coucher avec sa sœur. Donc moi je dis discret au gars, je dis vas-y, c'est parce que c'est pas de sa faute, lui il n'en sait rien. Non, lui c'est pas de sa faute. C'est quoi, pars tout de suite. Part, c'est mieux, tu vois. Il part. Et sa sœur, après, je crois, il la démonte. Non, pas de violence. Rien ne justifie la violence. Ouais. Enfin, bon, bref, écoutez-moi. Bref, je suis choqué de toutes ces histoires. Je pense qu'il est temps de faire une petite pause. Oh, oui, là. Sur Twitter, Facebook et Instagram, La Baronne et compagnie.